Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle découverte de notre semaine spéciale Soma Games Festival. Donc, petite découverte supplémentaire par rapport à ma première section de 7 jeux. Donc, ce sera rajouté dans la semaine, une après-midi, je ne sais pas encore quel jour. Avec Tamcat, il nous reste un peu de temps pour tourner des vidéos sur des découvertes supplémentaires. Donc, on en profite. C'est la première, il y en aura peut-être une seconde ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce sera un huitième jeu sur ma chaîne et sur la sienne. Ce sera mis, ce huitième jeu, la même après-midi que sur sa chaîne. Voilà, pour que vous ayez deux découvertes ce jour-là, aussi bien le matin que l'après-midi. Donc je vous invite à aller voir ce que Tamcat vous a préparé pour cette journée d'après-midi. Et donc nous, les loulous, on va découvrir Sayri The Beginning. Donc je vous ai laissé la petite intro départ de cette démo. Parce qu'elle est plutôt touchante, et même si c'est tout simple au niveau de la réalisation, c'est plutôt mignon, j'ai bien aimé. Donc un météore ou quelque chose, en tout cas, s'écrase sur la planète de la créature qu'on va incarner, Sayri justement, c'est son nom. Et bien, un peu comme Superman, les parents de Superman l'avaient fait, hein, de Kal-El. On envoie nos enfants dans des espèces de capsules de survie. Hein. Nous on fait la même chose, mais ça va pas se passer comme on le pensait. On va voir ça parce que c'est dans le trailer du jeu. Le jeu a l'air tout mignon. Donc, c'est un jeu d'aventure en fait, hein, axé sur les liens d'amitié, la coopération qu'on va pouvoir avoir avec les créatures avec lesquelles on va pouvoir interagir à première vue, si j'ai bien compris. Hein. Et puis on va démarrer. Alors je vais juste peut-être baisser un tout petit chouïa le volume général. Voilà. J'ai pas touché au réglage son, pour une fois ça crie pas les oreilles, c'est plutôt rare dans les jeux vidéo. Et donc on est parti pour cette petite découverte. Alors ça a l'air un jeu tout simple, très coloré, très mignon. Maintenant, est-ce que l'intérêt sera au rendez-vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si je voulais choisir, c'est que m'accrocher. Je vais rebaisser un peu le son. Hein. Et effectivement, comme je vous ai dit, ça va pas bien se passer. Et voilà, on cliquette le clic gauche pour essayer de se lever. Il faut pas cliquer, il faut laisser appuyer. Ça marche mieux. Et donc voilà notre maman. Qui est un peu mal en point. Hein. Ouf, on est blessé, on est des éraflures partout. Ça le fait pas trop. Alors je vais juste rebaisser. Je vous disais un peu le son. Ah d'ailleurs il y a plus de. Alors, par contre là il faut que je fasse à la souris. Au clavier, c'est assez embêtant. Alors, attendez, je cherche la touche pour gauche-droite. Ça ne marche pas. Est-ce que je vais pouvoir le faire d'ici en fait? J'ai plus accès à ma souris. Alors vous savez quoi? Au pire, je vais juste baisser dans le mélangeur Windows. Ça sera encore plus simple. Le jeu, je baisse le son comme ceci, on va tester. Quand on est dans les options, alors on a plus le son, ça devrait aller. Quitte à avancer, on avance. Et on va essayer de sortir de cette grotte. Alors j'ai pas la main libre sur la caméra complètement. Je peux faire du gauche droite, mais je peux pas regarder derrière moi par exemple. Décidément, on s'en prend plein la tête dès le départ. Ah, et on va croiser la première petite bête de cette planète. Les premières petites bêtes de cette planète. Alors peut-être pareil, un papa ou une maman avec ses enfants. Ils ont pas l'air, le parent n'a pas l'air rassuré. Oui, c'est mignon. Allez, on s'en va. Il y a un truc pas normal. On s'allume, on s'illumine. Il y a un truc qui cloche. Alors le personnage va pas mourir, c'est quand même notre héroïne. On en a besoin. Donc, du coup, ça va un petit peu mieux grâce à ce que la...
la petite bête nous a donné. Donc on a une jauge de vie à première vue en bas à gauche, qui est presque à moitié remplie. Et on peut éclairer notre chemin. Alors ça, j'avais vu ça dans le trailer, mais j'avais pas trop compris. Et donc effectivement, on a le pouvoir... Ah, par contre, ouais, ça consomme... D'accord, si on n'est pas dans la lumière... Alors on est dans le rouge. Ok, alors attendez, il faut... je pense qu'il faut que j'aille manger ça. Ok, c'est ça. Grâce à ça, on va pouvoir courir. Alors il faut que je surveille ma stamina et que je soigne les plantes. Ah, ah par contre apparemment faut pas traîner quand même. Oh oh. Alors est-ce qu'on peut sauter? Apparemment non. Je me suis fail. Alors comment on remonte si on peut pas sauter? Bonne question. Ah si, ici peut-être. Non. Ah bah ça commence bien. Ah si, là, j'avais pas vu la berge. Ok. Alors à partir du moment où on a plus de... Alors c'est pas notre vie du coup, c'est une espèce de stamina. Je suppose. À partir du moment où on en a plus, on peut plus trop courir. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sur 40, d'accord, c'est un... C'est des collectibles. Cool. Alors par contre, on est mal en point. Alors par contre, il faut que je passe là, du coup. Vu qu'on peut pas sauter. Parce que moi, j'ai fait espace comme un... pensant que, hein, mais... Pas du tout, hein. D'accord. Et là, du coup, on va pouvoir traverser. Bien, bien, bien. Alors voilà, c'est le genre de jeu calme et reposant. Si on a envie de se poser tranquillou, sans se prendre la tête, ça c'est exactement le genre de jeu qu'il faut. Interagir. Alors je sais pas avec qui, mais... Alors par contre j'ai déjà plus de stamina, c'est chaud quoi. Ah mais il y a plein de petites bêtes. Je les avais pas vues. D'accord. Et donc, elles me suivent. À quoi elles vont me servir en fait? Rien, je pense, pour l'instant. Ok, donc on s'est débloqué ce chemin. On peut aller prendre un peu de stamina ici. La stamina descend super vite, même quand on fait rien. Alors on va peut-être éviter de courir en fait. Déjà, j'en perdrai pas pour rien. Oh. Ok, ça nous a mis un chemin, mais tout là-haut. Très bien. Alors ensuite, ici. Est-ce qu'il y a des trucs à faire avec toi? Non. Ouais, je pense qu'il fallait vraiment pas que je cours. Oh, encore un collectible. 2 sur 40. Interagir. Ah d'accord, j'ai compris. Excellent. Alors, on a toujours les petites bêtes qui nous suivent. Hein. Voilà, elles vont repartir, mais ça a une bonne portée quand même, notre espèce de pouvoir. Hein. Je sais pas comment appeler ça. Puissance de la lumière. Alors par contre ici il fait sombre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? 3 sur 40, c'est aussi le collectible en fait. Il y a plusieurs sortes différentes. En plus, il y a des petites réactions de notre personnage. C'est chouette. Oula. Alors là, il faut pas que je passe là. Ça,
C'est vraiment très mignon. Ah, il y a encore ces petites créatures. On a un collectible là, de la stamina. On est presque full. Ah, je sais pas ce qui va se passer une fois qu'on sera à fond, mais je pourrais déjà l'être en fait, hein, si j'avais pas gaspillé les premières ressources. Bah, je le suis quasi là, apparemment. Hein. Alors, je peux pas venir là, mais je peux faire ça. Ah! Et il y a un bumper ici. Alors, attendez, je vais d'abord aller voir. Alors, eux, ils me ralentissent, hein, les petits coquins, là. Voilà, je les ai poussés. Et là, du coup, je peux pas aller en face. Mais je peux peut-être faire ça. Très bien. Et je suis quand même curieux de voir le bumper, à quoi il sert en fait. Donc je peux me laisser tomber là direct. Ah, et puis il y a une... Il y a de l'énergie là-bas. Oui, je l'avais ramassé pourtant. Voilà, ça respawn. En tout cas, quand on est à fond, on a les antennes de notre personnage qui brillent. J'ai l'impression. Non, peut-être pas en fait. Ça nous emmène direct là. D'accord. Ok. C'est pour gagner du temps. Tout simplement. Ouh. Du coup... Truc à prendre là. Là, je peux revenir là et donc j'ai accès aux deux ponts. Très bien. Et ici... coincé ici, on va prendre ça. Et il fallait peut-être que je passe là en fait. Je sais pas trop. On peut pas faire ça, d'accord. On est ramené en arrière. On peut pas faire des grosses chutes. Et on ne meurt pas, du coup, on est juste, voilà, une bulle qui nous remet sur le droit chemin. Non, 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 tu ne triches pas. Il y a ça, j'avais pas vu. On va activer celui-ci. Ah, d'accord, pour là-haut. Celui-là, pareil, il va monter. Non, pas du tout. Ok, donc là, je peux faire le tour. Par là. Et donc, la stamina, on va appeler ça comme ça. Hein. On va faire simple. Respawn. Alors, j'ai entendu quelque chose. Un petit cri de créature, mais... je sais pas. C'est d'un calme. C'est reposant. Oh, c'était quoi ça? Ah, une branche d'arbre. Je vais monter ici. Je vais redescendre là. Alors, des petites énigmes, hein, toutes simples, hein, de passage. Parfait. Ensuite, on traverse notre pont. Et on arrive... Alors, je vais pas appeler ça un open world, mais on arrive dans la partie un peu plus ouverte du jeu.
Et donc de cette démo, ça a pas l'air d'être quand même la grande forme pour notre perso. Hein. Donc pour Sairi. Ah, et on a à nouveau ce petit bonhomme qui a l'air embêté. Alors, on va devoir essayer de l'aider, j'imagine. Qu'est-ce qu'il veut? On va passer là. Je pense qu'il faut que je lui donne un coup de main. À quoi? Je sais pas encore. Alors, il a besoin d'aide. En fait, il nous appelle, il faut qu'on le suive. Alors, avant que... Oula! Mais t'es trop... C'est trop rigolo, ça. Espèce de tortue géante bizarre. Alors j'avais juste vu un collectible, c'est histoire de voilà d'aller le prendre. C'est vrai que si on court, ça diminue sacrément notre stamina. C'est impressionnant. Je vais aller check de l'autre côté. Oui oui j'arrive bébé, t'inquiète. Faut bien que t'aies un souci, mais laisse-moi collecter. Je vois des collectibles un peu partout là. La collectionnite, c'est cool dans les jeux vidéo. Là, on a 8 sur 40. Alors, c'est peut-être un petit mini-jeu qui a un petit bonus à faire en plus dans la démo. Hein. Des fois, les développeurs s'amusent à faire ce genre de choses. Il y avait eu ça dans Resident Evil 3 par exemple. Alors, ça là, qu'est-ce que c'est ça? C'en est un aussi. Ici, bah, pareil. Il y en a deux. Ça m'a pas compté les deux, par contre, j'ai l'impression. Est-ce que c'est une tortue, toi aussi? Ah oui, il y a plein de petites tortues. Je vais appeler ça des tortues, hein. C'est... Allez, on va suivre le petit bouchon. C'est quoi, ça? Non, c'est rien. Ah! Ah bah ça y est, on est encore à moitié hagard. On va tenir bon et on va aller aider. Apparemment, il est en train de se noyer. Par contre, je peux plus courir mon grand, donc je suis pas en grande forme en fait. Si t'avais pas remarqué. C'est le papa ou la maman en fait qui est coincé. Coincé dans l'eau. Interagir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, pas mal. Pas mal du tout. On a fait un barrage naturel. Ah et lui du coup, il nous permet de nous débloquer le passage en fait. C'est donnant donnant. Avec sa force, il a poussé le rocher et nous, avec notre petit pouvoir, on a pu le sauver de l'eau. Mais ça va vraiment pas bien pour Sairi. Bim! Mmh. Récupérer des couleurs là quand même. Ah puis surtout on a plus de blessures apparentes. Alors essaye de je sais pas quoi. Ah on essaie de communiquer. J'ai pas tout compris. Alors je sais pas, il y avait, c'était marrant la petite affiche en haut à droite qui a fait que bah nous on est. Ah. Les bruits qu'ils font sérieux. Alors ça. Ah. Alors je peux demander de l'aide apparemment pour repousser le caillou. On va tester ça. C'est ça. Et replace le rocher. Alors par contre, c'est quoi l'intérêt? Je vois pas l'intérêt en fait. Hein.
Alors attendez, si, on peut lui demander de repousser à nouveau comme ça. Ok, donc on va le faire se déplacer. Du coup, ça va bien avoir une... Ah, on va le mettre là. Et oui, j'avais pas vu qu'il y avait un trou et qu'on pouvait pas avancer en fait. Excellent. Alors, il y a un collectible ici, on va aller le chercher. Est-ce que je peux galoper un peu plus? Ouais, c'est toujours manavore, hein, mais bon, endurovore. Ça se dit ça? Ah, par contre, on a le. Lui. Ah! Qu'est-ce qu'il dit là? Ça lui fait penser qu'il était prisonnier? Alors, je fais clic droit hein, pour essayer de communiquer, mais. Ah, y en a qu'un qui comprend. D'accord, je pense qu'il a peut-être peur de l'eau. En même temps, normal. Puisqu'il lui est arrivé juste avant. Et donc on passe ici. Ça, c'est bizarre ça. Allez, je vais me mettre là. Là. Ah, comme ça ils peuvent traverser. Et puis bah moi aussi du coup. Cool. Ils osent pas, si? Si, c'est bon. Ok, on est bien. On est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Waouh. Eh, franchement, la patte graphique, la patte artistique même, je dirais. Franchement, chapeau, hein. Alors, je sais pas si dans ce studio... Ah oui, alors, c'est vrai que j'ai... je vous ai pas parlé de... C'est vrai, j'ai complètement oublié ça. C'est un jeu qui est développé par Vidlonia Reborn. Alors, je sais pas si je prononce bien. C'est un studio ukrainien indépendant. Hein. Alors, il y a quelque chose à part. Du coup, je regardais pas qui s'est écrasé. Et le jeu est édité par Cryptivo. Et bah, justement, j'allais dire, je sais pas s'ils ont des... Alors, je sais pas comment on appelle ça, mais des designers, des créateurs artistiques, enfin un truc comme ça. Je sais pas le terme exact, mais chapeau quoi. Parce que pour créer les petites créatures et l'univers, qui, regardez-moi ça, c'est tellement joli. Et surtout, on a l'impression qu'on peut aller partout. C'est pour ça que je vous parlais un peu d'un monde ouvert. C'est franchement, c'est un sacré boulot. Donc on va essayer de continuer d'avancer un peu. On a encore du temps devant nous. Petite vingtaine de minutes. Il y a un truc là-haut, là. Je t'ai vu. Ok, c'est de la stam. Et un collectible ici. Trop loin. On est à 13. Alors on peut faire quelque chose ici. Alors elles servent à quoi ces plantes? Oula! Ah, c'est une espèce de... À l'Assassin's Creed, quand on monte sur les... Sur les grandes hauteurs pour révéler les points d'intérêt, c'est un peu pareil, en fait. Ça révèle les points... Alors, à première vue, derrière moi, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Par contre, ici, forcément, bah, il y a des trucs. On n'est pas descendu encore, donc c'est normal. Et c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? Ah, ah, ah. S'interroge... Sur quoi? Ah, il a un petit là-bas. Comment aller le récupérer? Ça, c'est une grande question. En même temps, il avait trois petits, il en a plus qu'un. Alors déjà, on va tester ça. Ok, ça m'amène là. Et ici, okay, on va pouvoir pousser ça. Tu vas venir m'aider. Enfin, j'espère qu'il va venir m'aider vu qu'il est surtout. Ouais, c'est bon, c'est cool, il va le faire. Donc il va pousser le rocher, je pense qu'il va le faire tomber. Et ça va nous permettre d'avoir un accès là en contrebas. Ah, ça assèche une partie de la rivière. Parfait. Du coup, on peut venir ici. Alors, on va voir comment on te récupère toi, mais en attendant... Je peux venir ici.
Et avec eux là, je peux essayer de. Non, je peux pas essayer de communiquer pour le moment. Là, je peux plus avancer. Très bien. On part de l'autre côté. Comment on va aider le petit bonhomme? Si je vais là, j'avance plus. Si je me laisse tomber, est-ce que je peux remonter quelque part? C'est toute la question en fait. Alors en fait, tout à l'heure, on a mis une feuille pour faire un pont. Et là, on a à nouveau cette idée-là, ce principe-là. Le problème, c'est que j'ai pas de feuille sous la main. Donc en fait, il peut pas m'aider. Là, je peux pas remonter. Là-bas, j'ai pas l'impression. Si je tombe, je pense que... Je vais tester, hein, mais... Ouais, c'est ça, je peux pas, en fait. Alors la feuille, on l'a vue. La feuille qu'il nous faut pour faire le petit pont, elle est là-bas. Mais je peux pas aller la chercher. Bah si, à la rigueur, je peux passer là. Comme ça. Je peux faire, mais oui, il faut faire ça en fait. Oula. Il faut faire ça. Alors la plante, je sais pas quoi elle va m'aider. Ah, grosse. Ok, lui il peut pousser la plante. Pendant qu'il fait ça, on va regarder ce qu'il y a eu ici. Ok, parfait. Parfait, parfait. Tu repousses ici. Nous, on va remonter par là. Gagner du temps. Tu vas récupérer la feuille, mon ami. Voilà. Parfait. Et c'est pour la mettre là-bas. Alors je cours un peu pour gagner du temps. Nickel. Comme ça on peut aller en face. Je vais juste maintenant aller voir là où ça s'est ouvert là. Le crash, si on peut. S'il y a quelque chose à faire. Je vais récupérer un peu de stamina. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a par là? Oula! Il y a aussi un petit. Mince. Ok, donc on passera pas par là. Donc faut faire le tour. Oh oh. Parce que là, clairement, on passe pas. Allez, on trace un peu. Tant pis pour la stam. Stam, tiens, on va récupérer là vite fait. Et donc on peut traverser ici. Ça c'est cool. Allez, un petit collectible ici. On va chercher. Ah! Il veut d'abord que je sauve l'autre, c'est ça? Apparemment. Alors toi, comment je vais te récupérer? Alors déjà, on a une plante ici. Et donc tu vas faire ça, tu vas la pousser. Tu vas la pousser bah, encore. En fait, on va amener la feuille au petit. Non, c'est pas ça.
pas ça. Je peux pas monter dessus. Bon, faut trouver une solution quelque part, hein. On peut faire ça. Est-ce qu'il, de lui-même, il va monter sur la plante, du coup? Pas du tout. Ça, c'est dommage. Ah. En fait, il a tellement la trouille. Ah non plus venir ici. Mince. Pas non plus venir ici. Alors là, on a un problème. On a clairement un problème. Qu'est-ce qui peut venir ici? Eh non. À cause de l'eau. Alors, il y a un truc que je comprends pas et ça vient de d'ici. Hein. Là, j'ai poussé cette plante à fond. J'aurais peut-être pas dû. Ah, d'accord. Là, on peut passer. Ok. Donc maintenant, je peux lui demander de pousser ici. On la refait baisser. On peut passer là. Il va nous pousser ce rocher. Et ça va couper l'eau, non? Ah non, peut-être pas. Ah si si, on va le pousser pour couper l'eau, c'est obligé. Ah bien sûr. Royal. Alors maintenant, il faut aller des fistons quand même. Donc tu vas venir ici. Tu vas pousser par là. Pourquoi il vient pas? Et c'est vraiment à moi d'aller les chercher. J'ai quasiment plus de stamina, mais bon. Voilà, parfait. Oh, c'est mignon. Ok, 2 sur 3. Et le troisième, on sait où il est. Donc, on repasse par là. On aille là. Ah, un peu de stam. Ah, ça fait du bien. Oh là, voilà le gros bourrin. Et il a pas le time. Alors, on récupère ça. Par contre, je sais pas où il est parti, hein, mais. Ou alors ça s'est effondré derrière lui, mais. Ok, donc tu vas me pousser ça. Et tu vas pousser ça. Voilà. Ah, il y a Monsieur Elliot. Parfait. On aille par là. Regardez, il est là-bas. Et ben voilà, on retrouve le troisième. C'est parfait. On aura au moins fait un truc nickel dans la démo. Ah, ça se réécroule derrière nous.
Ok, passage bloqué. Alors, passage bloqué, on a de la stam là-bas. On peut utiliser ce bumper ici. Ah, c'est super grand ici en fait. C'est super méga grand. Bah, super méga grand. Je me comprends, hein. Petit collectible ici. 19. Sac. Oh. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ok, bah déjà au moins on fait un pont pour relier ici. C'est déjà ça. Il y a de la stamina par là-bas. Et ici. Ah, et là, un truc à pousser. Parfait. C'est quand même magnifique, hein. Franchement, la direction artistique, y a rien à dire. Hein. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, je trouve ça magnifique. Incroyable. Alors ça, on avait vu qu'on pouvait le pousser aussi, pour revenir au départ. Voilà, petit raccourci à débloquer. Parce qu'on n'a pas tout exploré dans la première zone, hein, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, dans cette zone de départ là, on a notamment un bumper qu'on n'a pas encore utilisé. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, se faufiler partout. Oh, il y a plein de. On est à 25 sur 40. Il y avait un champ de collectibles. Petite zone cachée. Ensuite. Là, il n'y a rien. Par contre, il y a ça là qu'on peut bouger. Ito. Ça sert à quoi de faire ça? Et ici, ça me ramène. Pensez qu'il faut que. Pas l'intérêt en fait. On est bloqué par ça, du coup il retombe. Ah, je vois pas l'idée là. Bon, c'est pas grave. On va pas s'attarder sur ça non plus. Et ça a l'air ici d'être le, bah, le truc principal. Alors il y a des bumpers. Ah, est-ce que je peux faire mon pouvoir en étant en hauteur? Ça, c'est une bonne question. Parce que là, il y aurait une plante à activer, du coup. Mais je sais pas si je peux pulser en l'air. Ouh. On va tester. Hein. Non, je peux pas. Et d'ici. Si la plante, je la touche pas. Ok, bon bah là c'est un coup d'essai, on va dire, dans l'eau pour l'instant. Je repars là-bas. Alors ensuite on a un autre bumper qui nous envoie. Ok. Je vois pas l'intérêt de ce dernier pour l'instant en tout cas. Alors ça, si on le réactive. Alors après, et ici, si ça nous envoie là, ben
6, 27 sur 40. Il y en a encore plein là. On est à 34 sur 40. Ah, si. On peut activer ça. Ok, donc on a tous les endroits qui pulsent à nouveau. Donc là on a fait, Waouh, mais regardez où ça nous emmène. Ah, par contre il y a toute une série de bumpers, il faut les tester entre guillemets tous et partout. Je vais prendre celui de derrière, tiens. Ah, j'atterris sur le champignon. Ok, mais pour l'instant. Ah, mais c'est des bumpers aussi. Ah, le truc de fou. Alors attendez, celui-là pour aller là-bas pour activer la plante. Ça, c'était logique. Ah, je peux pas faire ça, j'ai pas le droit. Alors, ensuite, on va venir. On va tester celui-là. Ouh, c'est dangereux ça. Ouh, c'est dangereux. Ok. Ok, il faut tout activer. Et la dernière ici. Et toi par contre, est-ce que t'es pas censé être plus haute? Si. Ok. Alors, il y a toi aussi qui est un peu basse. Et il y a toi là. Tu montes pas plus toi? Non, apparemment non. Il y aurait peut-être celle-ci aussi à faire monter un peu plus. Si elle peut. Non. Très bien, donc je vais récupérer ça. Alors, je me rappelle. Celui-là. Il sert clairement à rien. Pour l'instant. Ensuite, celui-ci, non plus. Celui-là, c'était pour l'arrière. Et à l'arrière, je pense qu'on avait tout fait. Hein. Et donc, il nous resterait celui-là, qui nous emmène ici, avec toi. On atterrit là. Par contre, quel est l'intérêt? L'intérêt, ce serait peut-être de prendre le bumper qui est là. Je vois que ça. Par contre, il faut prendre le bon chemin, sinon on n'y arrivera pas. Et en fait, je peux tout simplement pas. Comment? Ah oui, je peux pas faire ça. Crotte. Comment je vais faire? Paf. Là, je peux me faire tomber ici. Et là, je peux peut-être me laisser tomber au sol. Non, le jeu ne veut pas. Bah, comment je redescends ça en fait? Ah, ok.
Waouh, d'accord. Un peu au pif, hein, mais... Enfin, même, je dirais complètement au pif. Mais ça le fait, ça marche, c'est le principal. Alors, du coup, je reviens là. Si je fais ça... Ah ouais, il y en a un autre là. On est à 38. Là, le jeu me ramène ici. J'en ai un là, 39. On aura presque les 40, hein. Pas manqué grand-chose. Et donc là, si je fais ça, je reviens ici. Donc, je passe là, je passe ici. Je peux me monter encore plus haut. Bon, mais c'est pas le but. Le but, ce serait plutôt... Voilà, de faire ça. De faire ceci. Voilà, je vais revenir là. Ensuite ici. Parce que la suite est clairement là. Je cherche la 40e plante. Alors, elle est pas ici, hein. Ah, et puis on est arrivé à la fin de la vidéo, les loulous. J'aurais tellement voulu faire le 40 sur 40. Et puis bah aussi sortir d'ici, mais ça va être peut-être un peu compliqué. Là, on se donne le chemin d'accès ici. Là, j'ai de la stam. Donc je suis obligé d'aller là. On va se donner un chemin d'accès ici parce que pour pousser ce rocher, bah, il faut que les petites bêtes nous rejoignent. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Mais là, elles vont pouvoir. Et du coup, je peux demander à pousser ce rocher. Alors, je sais pas à quoi il va nous servir, mais ça nous fait revenir dans la première salle. Ok. Donc bah du coup, est-ce que je peux revenir à la première salle en étant ici? Je ne sais plus. Je pense que oui, hein. Alors ce rocher, qu'est-ce que je peux en faire? Je peux le pousser ici. J'ai que ce chemin. Enfin, que cette direction, pardon. T'es sûr de toi là? Tu vas réussir à pousser tout ça? Attendez. Tu pousses encore? D'accord, donc en fait c'est ça qui gênait. Ça va nous servir de... Bah de bumper, enfin de passerelle quoi. Pour venir ici. Ouais, à part que je peux quand même... Ah mais si! En étant bump par l'autre côté en fait. Bah oui. On se fait bump comme ça et on devrait atterrir sur le petit rocher. Et là, on peut monter. Ah ouais, c'est excellent. Et on est ressorti. Parfait. À mon avis, ça va être la fin de la démo. Le 40e collectif, il devait être à l'intérieur. Waouh. Trop beau. Trop trop beau. Il est trop classe ce jeu. Merci d'avoir joué à cette démo. Et ben voilà les loups, on a fini. Alors c'est dommage, on a fait que 39 sur 40.
Il y en a une qui m'a échappé. Alors, c'est peut-être pas dans la grande grotte finale, hein, mais bon. En tout cas, sacré mélange de passages et d'aller-retour et de mise en place de mécanismes pour pouvoir avancer et donc de sortir de cette grotte après qu'elle se soit effondrée. Le fait qu'on puisse faire copain-copain avec les créatures, et j'imagine qu'il y en aura d'autres avec lesquelles on essaiera aussi de s'entendre pour nous aider à faire d'autres choses. Parce que là, en gros, c'est le papa qui nous aide à pousser des obstacles, hein, donc essentiellement des rochers. Ça a l'air vraiment sympa ce Seiri's The Beginning. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo supplémentaire de découverte hein, des démos hein, qui ont pop sur Steam la semaine dernière, ça vous aura plu les loulous. Voilà, on a un peu de temps donc on en profite et on fait ça pour vous en plus. Hein, donc bien, bon, nous du coup on joue au jeu et on les découvre aussi, mais voilà, c'est aussi pour vous qu'on fait ça avec Tam4. Donc j'espère que ça vous plaît. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.